Alors, le secteur des infrastructures en RDC aujourd'hui est en pleine progression. Comme vous le savez, il y a, depuis l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il y a plusieurs projets aujourd'hui qui sont initiés dans les différents secteurs des infrastructures de transport. Vous avez le secteur routier, le secteur portuaire, ferroviaire et aéroportuaire. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous sommes dans, dans une dynamique des investissements. Entre autres, aujourd'hui, dans le cadre des projets portuaires, nous avons avec les Qatar signé un accord, un protocole d'accord G2G pour le développement des infrastructures portuaires. Entre autres, la mise en concession du port du terminal à conteneurs du port de Matadi. Vous avez aujourd'hui le projet qui vont toucher la rénovation et la modernisation des aéroports, entre autres l'aéroport international de Njili, de Luano, ainsi que l'aéroport d'affaires qui va être créé au niveau de la ville de Kinshasa, de Ndolo. Donc à côté de cela, nous avons des projets aujourd'hui de zones économiques spéciales qui sont mises en œuvre et d'une manière intégrée avec des projets de logistique et de transport, entre autres le développement de la ligne ferroviaire qui doit relier Kinshasa et Matadi. Dans le cadre du think tank RDC stratégique que je préside, qui en fait travaille en tant que laboratoire d'idées sur de sujets qui portent sur l'émergence de la RDC, entre autres les infrastructures. Nous avons organisé au mois de juin un forum national sur les infrastructures de transport. Et à l'issue de ce forum, nous avons élaboré un document que nous avons dénommé « La voie à suivre » qui comporte en fait 50 recommandations qui permettront aujourd'hui à la RDC de pouvoir accélérer la mise en œuvre des infrastructures de transport. Et cela porte entre autres sur la gouvernance, sur la partie de financement avec les nouveaux mécanismes de financement, des mécanismes innovants aujourd'hui pour permettre à développer le secteur des infrastructures de transport, mais surtout sur tout ce qui touche sur l'opérationnel. Le Forum africain des infrastructures, c'est toujours un plaisir de pouvoir participer à ce forum. Vous savez, aujourd'hui, nous voulons promouvoir des relations de coopération sud-sud entre pays africains. Et c'est ici, en fait, une plateforme qui nous permet de pouvoir échanger de nos expériences entre pays africains et d'essayer de voir comment est-ce que nous pouvons nouer ces partenariats sud-sud et qui va permettre à ce que l'Afrique puisse avancer en termes des infrastructures, parce qu'aujourd'hui c'est le plus grand défi qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir sortir de la pauvreté et surtout de permettre cette intégration régionale entre les pays d'Afrique.